Non mettere Alberto. Fai Alberto Pastore, non mettere il. Ah, perché Pastore è anche un cognome, giusto? Buonasera, bentornati all'appuntamento con i visti da vicino, il nono appuntamento della nostra sezione per quello che riguarda il 39esimo Bergamo Film Meeting. Abbiamo il piacere questa sera di chiacchierare con Philippe Fancusem e Jean-Noël Boisset, regista e ingegnere tecnico del suono del film Albert Berger, Alberto Pastore, o Alberto il Pastore, che appunto è il nono titolo della nostra sezione competitiva di Cinema del Reale. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre 39e édition du Bergamo Film Meeting. Nous sommes à notre 9e aussi rendez-vous et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Fancusem et Jean-Noël Boisset, donc respectivement le réalisateur et l'ingénieur du son de Albert Berger. C'est notre 9e titre pour cette section de Vue de près Close-up. Bienvenue. Merci. Merci. Per entrare immediatamente, nel clima del film, per capire di che cosa stiamo parlando, perché alcune delle persone che vedono questa conversazione potrebbero non aver visto il film, lanciamo subito il trailer e immergiamoci nel mondo di Albert Berger. Tout le monde connaît le célèbre berger, roi des montagnes. Il essaye à s'habituer à la civilisation, mais l'appel de la montagne retentit dans son cœur et les montagnes vierges crient victoire. Berger Albert. Eccoci, spero che non si offendano Philippe e Jean-Noël se la prima domanda che faccio, la prima considerazione che faccio è legata al fatto che vedendo il loro film il primo nome che mi è venuto in mente è stato quello di Paul Cézanne. Non solo perché i paesaggi in qualche modo sono quelli di Paul Cézanne, ma perché ho proprio l'impressione che ci sia una ricerca sulla forma che in qualche misura è come quella che Cézanne portava avanti. Ho come l'impressione che nel loro raccontare la scoperta di un personaggio come Albert Ciocca o Albert Siocca, come immagino si dica dall'altra parte delle Alpi, appunto poeta rupestre così pervasivo in questo territorio che sembra abbandonato dagli uomini, mi sembra che questa che ci sia qualcosa in comune proprio con la ricerca formale di Cézanne nel tentativo di capire la forma delle cose.
È come se avessi l'impressione che Philippe vuole capire la forma del cinema. In qualche modo anche il video di presentazione che ci ha mandato mi ha un po' provocato da questo punto di vista. Sono stato un po' lungo, ma spero che si capisca dove voglio andare a parare. Alors, j'espère que vous, Philippe et Jean-Noël, ne me vous voulez pas si je pense immédiatement à envoyer un votre film à Paul Cézanne. En fait, votre film a rappelé Paul Cézanne non seulement dans des personnages qui sont à peu près dans les paysages, pardon, qui sont à peu près les mêmes, les paysages de Paul Cézanne, mais aussi en ce qui concerne la recherche sur la forme. Et il s'agit de la même recherche, peut-être, de Paul Cézanne. J'ai l'impression que dans ces racontes de Albert Ciocca, ou bien, j'imagine, Albert Siocca, pour vous, on a un poète des rochers, un poète dans un territoire abandonné, qui, avec sa voix, envahit en fait ce territoire. Et j'ai tout de suite pensé à une relation avec Cézanne, qu'il essayait en fait de comprendre la forme des choses. Et donc, j'ai aussi pensé peut-être que Philippe a essayé de comprendre la forme du cinéma. Et je l'ai pensé aussi à travers la vidéo que vous nous avez envoyée pour la présentation de ce film. Oui, ça me dérange pas du tout que vous évoquiez Paul Cézanne. Au contraire, ça me flatte. J'avoue que j'ai pas pensé spécialement, j'ai pas pensé spécialement à la peinture en faisant le film. Mais ce qui peut être un lien avec Cézanne, c'est sans doute le rapport à la mémoire, à quelque chose qui est enfoui comme vous disiez, dans la roche. Et là, il y a peut-être, oui, un lien qui peut être établi et que je peux tout à fait Reconnaître. reconnaître ou accepter. Alors, pour ce qui est du travail sur la forme, c'est vrai qu'elle est venue très lentement, la forme du film. Je suis un peu perturbé parce qu'on a notre image et je vous vois pas. Donc c'est un peu embêtant parce que je ne sais pas à qui je m'adresse là. Voilà, je préfère. Merci. Parce que là, c'est une espèce de miroir un peu désagréable. Oui, ce que je disais, c'est que cette forme du film est venue très lentement Ah, encore. Elle n'était pas du tout présente au début du processus. Elle est apparue vraiment au fur et à mesure. On a passé avec Jean-Noël pas mal de temps. On a fait deux séjours sur place pour rencontrer les gens, pour regarder les paysages. On a passé du temps simplement. Et après deux séjours sur une période de 2 ans, il n'y avait toujours pas de film. Et donc, j'ai un moment même songé à complètement abandonner le projet. Et ce qui a été un peu la clé et qui a permis au film d'exister, c'est la découverte par Isabelle Grenu, qui est historienne, des documents d'archives qui se trouvent aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille, et qui se rapporte, qui concerne l'enfance d'Albert, l'enfance qu'il a passée à Marseille. Peut-être m'arrêter là pour la traduction. Assolutamente fastidio, anzi mi sento quasi onorato, insomma, che tu menzioni Cézanne, però confesso che non ho pensato a questo aspetto della pittura. Certo, ci può essere un legame con Cézanne per quanto riguarda il percorso della memoria, qualcosa che è veramente iscritto nelle rocce, come tu hai detto, e qui sì, riconosco e accetto il fatto che ci possa essere un legame, una relazione. E per quanto riguarda invece il lavoro sulla forma, è vero, si tratta di una forma che è arrivata, ma è arrivata anche molto lentamente alla fine del film. Non era presente infatti all'inizio del processo.
Ed è apparsa piano piano anche, insomma, assieme a Jean Noël abbiamo fatto due soggiorni sul luogo per cercare di capire, di osservare i paesaggi, di incontrare le persone. Questo periodo di tempo è durato 2 anni e ancora non avevo un film, quindi ad un certo punto ho persino pensato di abbandonarlo. Però la chiave invece di questo film è stata proprio la scoperta fatta da Isabelle Grenu, che è una signora che lavora agli archivi delle Bouches-du-Rhône, quindi nel territorio di Marsiglia, che ha riscoperto appunto l'infanzia di Albert. Infatti nella struttura del film quello che colpisce è questo percorso, che in fondo è un percorso a ritroso, cioè il partire dalla testimonianza graffita, appunto intrisa del suono del suono della natura proprio, al processo verbale, ai fogli d'archivio che sono quasi una forma di violenza, cioè le due forme di scrittura sono due forme quasi antitetiche: da un lato la liberazione di Albert e dei suoi demoni, immagino, attraverso queste iscrizioni, il tentativo di lasciare una memoria, e quella che è la memoria d'archivio, che è appunto fiscale e drammatica da un certo punto di vista. E appunto mi domando se da subito, quando il film ha preso forma, avevate pensato a questo passaggio dalla natura alla cultura, al foglio di carta copiativa, insomma al foglio di carta d'archivio. Oui, en fait, en ce qui concerne la structure du film, ce qui frappe est un petit peu ce parcours à l'arrière. L'on part en fait avec les inscriptions sur les rochers et avec tous les sons de la nature. Et après, on arrive à un processus verbal. Donc, on a des archives qui sont presque une forme de violence. On a deux formes complètement différentes entre elles. D'un côté, il y a Albert, avec ses démons, on pourrait dire, qui essaye de se libérer à travers l'écriture. Et de l'autre côté, on a les archives, et une place en fait un petit peu fiscale aussi. Donc je me demande si vous avez pensé dès le début à ce passage de la nature pour arriver à la culture et au papier. Non. c'est des choses qui, encore une fois, qui sont apparues en travaillant les matériaux. À partir du moment où j'ai pris connaissance des documents d'archives, c'était vraiment un élément qui me semblait essentiel. C'est c'est le point de vue purement administratif, froid, ce qui m'a intéressé, c'était de donner à entendre trois voix, en quelque sorte la voix d'Albert à travers ses écritures, la voix des personnes qui l'ont connu et qui avait été rencontré, c'était des gens très âgés qui avaient été rencontrés par Hubert, parce qu'il faudra qu'on parle d'Hubert, qui est quand même la personne qui a fait la découverte, qui a découvert ses écrits, qui a rencontré les gens, qui a fait tout un travail de recherche important autour de ce personnage. Et puis enfin cette troisième voix qui révèle cette enfance extrêmement difficile, l'enfance qu'a eu Albert. Et il me semblait que l'idée de bien distinguer ces trois voix, parce qu'à un moment j'avais essayé de créer une sorte de tressage. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait perdre à chacune de ces voix leur peut-être de leur force. Et que c'est vraiment en me concentrant sur chacune d'elles et d'une certaine manière en rejouant à chaque fois toute cette histoire d'Albert selon des angles différents,
que le film, enfin, de cette manière-là, il me semblait que le film avait plus de force, plus de, et que chacune des voix aussi avait plus de force et pouvait être mieux entendue. Allora, no, devo dire che non avevo pensato a tutte queste cose. Come prima, sono cose che sono poi comparse a mano, e abbiamo fatto appunto questo lavoro sul materiale, e quando ho visto i documenti presenti all'interno dell'archivio, per me poi è stato immediato questo punto di vista così freddo, lo dovevo inserire all'interno del mio documentario. La cosa invece che mi ha veramente proprio interessato è stato un aspetto delle tre voci, perché abbiamo innanzitutto la voce di Albert, che si manifesta attraverso queste scritture. In secondo luogo abbiamo le voci delle persone che l'hanno conosciuto, che sono persone molto, molto anziane, e qui è importante anche menzionare Robert, che è la persona che ha scoperto e che ha fatto le ricerche. E poi abbiamo una terza voce, la voce che si rivela appunto attraverso tutta l'infanzia molto, molto difficile di Albert. Per me era molto importante distinguere queste voci. A dire il vero, ad un certo punto credevo che avrei voluto piuttosto intrecciarle tra loro, però attraverso questo intreccio perdevano molto di forza. Quindi ho cercato di concentrarmi piuttosto su ognuna di queste voci prese singolarmente, che raccontano poi tutte queste storie diverse di Albert. E alla fine per me queste voci prese singolarmente avevano molta più forza e facevano veramente uscire la voce di Albert. Ecco, allora a proposito di voce, non si dà voce senza appunto il suono, e appunto non solo perché c'è Jean-Noël lì presente, ma proprio il suono è come se fosse, prima parlavamo di pittura, abbiamo detto non c'è una partenza pittorica, ma è come se fosse comunque un ottavo colore all'interno della tessitura del tuo film. Come avete lavorato, come avete concepito la trama sonora, la tessitura sonora del film? Allora, oui, en parlant de voix, en fait, il n'y a pas de voix sans les sons. Et alors, j'en profite un petit peu aussi de la présence de Noël pour parler, de Jean-Noël, pardon, pour parler du son. En fait, avant, on a cité la peinture, mais on pourrait faire une comparaison entre les sons et la peinture. Les sons, en fait, un petit peu une huitième couleur pour ce film. Et donc, j'aimerais bien savoir comment avez-vous pensé au son, comment avez-vous pensé à la texture, en fait, du son pour votre film. Je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a pensé, elle est venue assez naturellement, je crois. Il faut dire que les sons sont particulièrement riches là-bas. Quand on est dans la nature, c'est extrêmement, d'un point de vue sonore, c'est magnifique. Donc il y a énormément de choses à écouter. Ça concerne plutôt la première partie. Pour la deuxième partie, c'était important pour nous de faire entendre les voix des personnes qui ont connu Albert, parce qu'elles ont quelque chose, elles portent aussi quelque chose. De la mémoire, et dans leur texture, dans leur accent, dans leur manière de parler, mais aussi dans la qualité de l'enregistrement, qui est assez mauvaise en fait, et qu'on a souhaité garder, comme tel, c'est-à-dire que c'est aussi une archive d'une certaine manière. Oui, parce que les enregistrements n'ont pas été faits pour le film. Je pense qu'on le comprend, mais c'est des enregistrements qui avaient été faits par Hubert, qui n'étaient pas destinés à être utilisés à des fins de diffusion. Donc c'était juste une note pour lui, une trace. Il n'avait pas le souci d'enregistrer ça avec pour avoir une qualité particulière. Et c'est aussi peut-être ce qui fait que ce qui donne
peut-être la spontanéité de ces témoignages, dans le sens où il n'y avait aucune... c'est pas du tout intimidant, il y avait juste un dictaphone qui était posé sur la table et les gens parlaient très, très spontanément. Allora sì, non direi forse che è stata pensata, è arrivato piuttosto naturalmente questa idea del suono, anche perché quando si è immersi nella natura i suoni sono piuttosto ricchi, c'è tantissimo da ascoltare all'interno della natura. E questo per quanto riguarda la prima parte della tua domanda. Per quanto riguarda invece la seconda parte, per noi era veramente importante ascoltare le voci delle persone che avevano conosciuto Albert, perché ognuna di queste persone porta al suo interno qualcosa anche in termini di memoria. E abbiamo appunto, li abbiamo registrati, c'è da dire che all'inizio la qualità del suono non era buona, perché li abbiamo voluti mantenere come una forma di archivio, e anche perché si tratta di registrazioni che erano state fatte da Hubert e che non erano state fatte, realizzate ai fini del film, non quindi per la diffusione, ma venivano conservate solo come una forma di traccia. Quindi le registrazioni che abbiamo non sono proprio di ottima qualità, però credo che questo conferisca anche un po' di spontaneità alle testimonianze delle persone, e poi insomma non si trattava di nulla di intimidante, le persone venivano messe di fronte a un registratore e insomma parlavano, e ciò ha reso anche il tutto molto spontaneo. J'ajouterais aussi que, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion sur le son, c'est que en fait, je crois que c'est depuis qu'on travaille ensemble que, et c'est vraiment Jean-Noël qui m'a un peu aiguillé là-dessus, que le son a pris une importance vraiment très grande, dans le sens où je l'envisage vraiment à égalité avec l'image, c'est-à-dire qu'il m'importe que le son ait autant de poids et d'importance que l'image. Il n'y a pas de primat de l'un sur l'autre. Et c'est ce que j'essaye de travailler, c'est la tension qui peut se produire dans cet écart entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et ça laisse, je pense, ça crée un espace pour le spectateur, puisque ce qu'on voit et ce qu'on entend ne coïncide pas forcément. Il y a évidemment des liens très forts, mais il y a toujours un travail sur ce que François Julien appelle la décoïncidence, qui est une notion que je trouve vraiment très féconde. C'est-à-dire que plutôt que de faire parfaitement raccord entre le son et l'image, il y a un écart, il y a un décalage léger, il y a une tension entre les deux, comme un champ de force qui s'ouvre entre le son et l'image. Allora sì, vorrei aggiungere poi qualcos'altro in merito per spingermi un po' più oltre su questa riflessione sul suono. Da quando lavoriamo assieme, a dire il vero è un po' Jean-Noël che ha insistito molto su questo punto, il suono per me è diventato un fattore molto molto importante, alla stregua delle immagini, per me sono veramente sullo stesso piano. Il suono ha lo stesso peso dell'immagine e non ci deve essere il primato dell'uno sull'altro. Quindi ogni volta che lavoro cerco appunto di avere una sorta di tensione, di creare un divario, uno scarto tra ciò che si vede e ciò che si sente. E ciò crea uno spazio anche per lo spettatore, perché non sempre ciò che si vede e ciò che si sente coincide, c'è sì una forte relazione, però per citare François Julien, c'è una sorta di decoincidenza, che per me è un concetto, una nozione molto molto importante, infatti non c'è un raccordo perfetto, potremmo così chiamarlo, ma esiste un décalage, una sorta di scarto, di divario tra il suono appunto e l'immagine, questo crea una leggera tensione che diventa poi alla fine un campo di forza. E per quello che riguarda la parte centrale, quella con le testimonianze raccolte da Hubert,
La cosa che impressiona nella restituzione del suono è la fragilità del suono, la fragilità, cioè fa, tutto il film in sostanza fa riflettere sulla fragilità della memoria. Peraltro noi siamo a Bergamo, nelle nostre valli ci sono decine di situazioni simili a quelle di abbandono dove voi avete rintracciato i graffiti di Albert e tante volte ci sono delle iscrizioni semplicissime proprio di pastori, a volte sono nome, cognome e una piccola figura che sembrano proprio testimoniare l'urgenza di lasciare una traccia del proprio passaggio. A volte sono stratificate, addirittura ci sono dei posti dove si hanno graffiti medievali insieme a graffiti della metà degli anni 50 del secolo scorso. Ecco, torniamo un attimo sulla memoria, appunto. O meglio, come siete arrivati a lavorare su Albert e chi erano le persone che avevano conservato memoria di questo personaggio? Pour parler un petit peu de la partie centrale de votre film, donc des témoignages collectés par Hubert, je trouve que la restitution du son est très impressionnante, car il nous montre la fragilité du son et on pourrait aussi dire la fragilité de la mémoire. Et ici aussi, à Bergame, il y a beaucoup de vallées où il y a des situations d'abandon, comme en fait les situations décrites dans votre documentaire, où il y a les inscriptions d'Albert. Ici aussi, nous avons... Non, d'Alberto, hai detto prima di Alberto, adesso ti dico. Okay. Et ici aussi, il y a des inscriptions des bergers, donc on a les noms de famille, et parfois il y a des petites images, et cela en fait raconte une urgence de laisser quelque sorte des traces. Et parfois, on a aussi des graffitis, on pourrait les appeler comme ça, médiévaux, du Moyen-Âge, et des graffitis qui coexistent de la moitié du siècle dernier. Mais en revenant sur l'aspect de la mémoire, comment avez-vous connu le personnage, la figure d'Albert, et qui sont les gens qui en parlent, qui en conservent la mémoire? Comment on a connu Albert et comment est venue la mémoire d'Albert? Oui, c'est la rencontre toute simple, la rencontre avec Hubert. Et en fait, il se trouve que j'ai une amie qui a une bergerie dans cette région et je vais passer souvent du temps chez elle, enfin dans sa l'été. Et c'est Hubert qui avait restauré en grande partie cette bergerie qui était pas en ruine, mais qui était quand même. Si encore en bon état, mais et donc il m'a tout de suite raconté le lien qui le relie à Albert, parce que c'est un lien très fort, c'est une espèce de passion qui vit. Il s'est vraiment pris de passion pour ce personnage en découvrant tout à fait par hasard ses écritures. Mais il se trouve que lui, il les a vus et qu'il a été touché par leur forme et leur contenu. Il y a une chose j'y repensais tout à l'heure qui est un peu troublante, parce qu'en fait, ses écrits, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Et Hubert a trouvé cette bouteille et il a ouvert son contenu. Et en fait, il se trouve qu'il y a les écritures qui ont... certaines plus d'un siècle, et qui ont été écrites au crayon à papier sur la pierre, qui ont résisté toutes ces années, et il se trouve qu'elles sont en train de disparaître maintenant, et certaines d'entre elles en tout cas, curieusement. C'est comme si
Parce qu'en fait, à qui s'adressaient ces écrits, puisque quand on écrit, soit on écrit pour soi-même, par exemple, on écrit un journal intime et on écrit que pour soi et c'est pas censé être diffusé, ou alors on écrit pour un lecteur et on cherche à publier. Lui, c'est différent. Il écrivait à la fois de manière intime, mais en même temps visible par un autre possible, un autre qui pourrait découvrir ça un jour. Et bon, je me suis un peu perdu, mais je trouvais ça, cette disparition des traces, et alors va de même des la question des personnes qui ont, ou bien je m'interromps peut-être pour la traduction ou je continue. Je peux traduire, ok, je vais traduire peut-être, c'est mieux comme ça. Et allora, sì, molto semplicemente questo incontro con Albert è nato più che altro dall'incontro con Hubert. Infatti ho un'amica che possiede un ovile nella regione in cui mi recavo tutte le estati. Questo ovile è stato proprio restaurato da Hubert perché era un po' in rovina. E Hubert mi ha raccontato subito la storia di Albert, perché Hubert aveva veramente un legame molto forte con questo pastore, un legame che sfociava quasi nella passione. La scoperta delle scritte di Albert era venuta in modo un po' casuale, però Hubert veramente ci aveva messo tutto il suo cuore nel farle un po' rivivere. E quindi sì, per quanto riguarda la questione forse della forma e del contenuto, si tratta un po' di un messaggio lasciato all'interno di una bottiglia, di quelle che poi vengono gettate in mare, e poi Hubert appunto trova e riscopre questa bottiglia e apre il messaggio. E, sono state trovate poi tantissime scritte nella regione, che alcune delle quali hanno più di un secolo, e sono iscritte nella pietra, che comunque resiste più della carta, ma si sta constatando in questi ultimi anni che cominciano un po' a scomparire, almeno alcune di esse. E la cosa che ci si chiede forse è a chi si rivolgano queste scritte, perché nel momento in cui si scrive o lo si fa per se stessi, magari sotto forma di diario, oppure lo si fa per dei lettori, quindi per essere poi pubblicati. Albert era in una situazione un po' diversa, perché aveva sì c'era nelle sue scritture, diciamo, una sorta di intimità, ma comunque queste scritture vengono lasciate per persone che successivamente possano scoprirle un giorno. E quindi sì, c'è tutta una questione molto importante della scomparsa delle tracce. E donc pour répondre à votre question par rapport aux personnes que Hubert a rencontrées, ce sont des gens qui pour la plupart sont décédés maintenant et qui l'ont connu soit en étant Albert avait travaillé pour eux, c'est le cas de Paul Castin par exemple, qui était métayer. Il y a le témoignage de René Blanc qui, je ne sais plus si il était enfant, René Blanc était plus jeune, ouais. Oui. Donc c'est des souvenirs effectivement qui sont très, ça le film le montre bien, qui sont très lacunaires et qui sont forcément plein de trous, plein de manques. Et c'est de là sans doute que vient cette impression de fragilité. C'est la fragilité de souvenir. Qu'est-ce qui reste finalement de ce personnage dans l'esprit des gens? En fait, pas grand-chose. Et pourtant, il y a quelque chose qui passe à travers leur témoignage, je pense. Sì, invece per rispondere alla seconda parte della tua domanda, appunto quella che riguardava le persone che hanno conosciuto Albert, che sono state poi intervistate da Hubert, si tratta di persone che purtroppo sono morte per gran parte e che l'hanno conosciuto in gioventù perché Albert magari lavorava per loro. Abbiamo in particolare Paul Castan, poi abbiamo René Blanc. Si tratta di persone appunto che sono venute in contatto con Albert attraverso magari dei lavori che gli facevano fare. E quindi sì, come si può vedere molto bene dal documentario, abbiamo ricordi che sono molto molto lacunosi. Ci sono dei buchi, ci sono delle mancanze, e da qui forse nasce un po' l'impressione di fragilità.
E cosa resta appunto di Albert, di queste persone comunque che lasciano tracce nella memoria delle persone e a volte resta ben poco, però comunque un trasferimento è comunque presente. Ok, grazie mille. Purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire, e siamo costretti a interromperci qui. Io parlerei di questo film anche contraddicendomi e dicendo cose inesatte per ore, perché mi tocca personalmente su molti livelli, però appunto non posso che ringraziare Philippe e Jean-Noël per avere risposto alle mie domande contorte. Invito chi non avesse visto il film, sarà presente sulla piattaforma ancora per 20 ore più o meno, e soprattutto vi ricordo che anche Albert Berger, come tutti i film della sezione Visti da vicino, concorre al premio che voi pubblico assegnate, votando attraverso l'apposito link che sta accanto al visore, che trovate online. Grazie ancora a Philippe Jean-Noël, grazie a tutti voi. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, on a plus de temps, donc je me suis obligée de m'arrêter ici. Mais je parlerai pendant des heures de votre film, car votre film en fait me touche sur plusieurs plans. Et du coup, j'aimerais bien remercier Jean-Noël et Philippe, pardon, et pour avoir répondu à mes questions, un petit peu parfois peut-être compliquées. Mais j'invite notre public à regarder votre documentaire, qui sera disponible sur notre plateforme pendant les prochaines 20 heures. Et Albert Berger fait partie de la section close-up, donc vue de près, et est en compétition en fait pour le prix final. Et du coup, j'invite notre public à le voter. Merci beaucoup à Jean-Noël et à Philippe. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Grazie. Solo la stessa cosa, per questo ho detto. Sì.